شيخ زليف. أعزائي دارسي اللغة الفرنسية، في هذا الدرس أدعوك لتعلم مفردات فرنسية جديدة. يحتوي النص الذي أقدمه على مفردات متنوعة تتعلق بالأنشطة اليومية والترفيهية. التعرف على التعبيرات الاصطلاحية مثل تيغي بروفي دو، يعني الاستفادة من ممارسة صيغة الأمر لامبيغاتيف. يستخدم النص صيغة الأمر في عدة مواضع مثل شيرشون بروفيتون. هنتعرف على أزمنة الأفعال المختلفة. في النص الذي نستخدمه يستعمل لبريزون زمن المضارع ولو فوتور سامبل والمستقبل البسيط. أعزائي أدعوكم لتعلم بناء الجمل، حيث يقدم النص أمثلة على كيفية بناء جمل فرنسية صحيحة ومتنوعة. أدعوكم لتحسين مهارات القراءة والفهم باللغة الفرنسية. النص يساعد على تطوير قدرة الطالب على فهم النصوص الفرنسية. التعرف على أسلوب الكتابة الإقناعي. يستخدم النص أسلوبا إقناعيا لتشجيع القارئ على استغلال وقت فراغه. نتعلم الروابط اللغوية مثل de nos jours، في أيامنا هذه، و mais لكن. هنتعلم ممارسة استخدام الصفات مثل libre حر و utile مفيد. وأخيرا التعرف على المصطلحات المتعلقة بالأنشطة الترفيهية مثل غوندوني نزهات و بارابونت الطيران الشراعي. Vous avez beaucoup de temps à votre disposition ? Vous ne savez pas quoi faire ? Les spécialistes se mettent d'accord pour vous dire que vous pouvez vraiment profiter de votre temps libre. De nos jours, les gens ont oublié de vivre. Ils restent bloqués sur leur canapé, devant l'écran de la télé ou du téléphone portable, pendant des heures. Il faut être discipliné avec le temps. Cherchons des activités utiles pour le cerveau. Profitons de tout pour notre santé. Il y a les activités de plein air, les randonnées, le vélo, l'équitation ou le parapente. Apprenons à créer une dépendance en pratiquant régulièrement un sport. Les sorties avec les amis nous rendent heureux, accordez-leur quelques heures. La pluie ne s'arrête pas, prenez un bon livre et vivez avec les personnages l'aventure de leur vie. La lecture va vous permettre de développer votre culture générale, votre vocabulaire et votre empathie. L'exercice physique va aider votre corps et va donner de l'énergie à votre cerveau. Vous allez renaître chaque fois. Vous êtes gourmand ? Jouez un peu dans la cuisine. Faites-vous un petit plaisir en préparant un plat personnalisé. La liste des propositions est longue, mais on s'arrête ici. Vous laissant le choix de la manière dont vous voulez vraiment tirer profit de votre temps. Libre. Vous présentez une journée de ma vie? Alors, préparez-vous. Mon programme est bien chargé. Je me réveille tous les matins à 6 heures pour avoir le temps de prendre mon petit déjeuner, que je ne rate jamais. Je dois aussi me laver, m'habiller et brosser mes cheveux. Normalement, je suis prêt en une demi-heure. Je vais à l'école à pied. Je vais toujours en avance pour rencontrer mes copains avec qui j'adore rigoler. Après les cours, je ne vais jamais directement à la maison. J'ai chaque jour des activités, du sport, des arts, de l'espagnol. Enfin. J'arrive chez moi vers 16h et, après avoir goûté, je me repose ou je me détends avec un épisode d'une série, des clips en ligne ou une partie de jeux vidéo. Vers 18h, je commence mes devoirs. Heureusement, les profs sont sympas et ils ne nous en donnent pas beaucoup. Je n'arrive pas souvent à me coucher avant 22h30, mais je n'oublie jamais de brosser mes dents et de me laver avant d'aller au lit.